Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une autre forme de héros urbain. Lui, il s'appelle Saïd. Il est collecteur. Son métier, ramasser les ordures. Ou plutôt, ramasser nos ordures. Et vous allez voir que son métier va bien au-delà de ça. C'est pas simplement vider un conteneur en plastique dans un camion poubelle. Il trie. Il fait ce que nous avons l'obligation de faire, trier les déchets. Vous allez voir dans ce reportage tout ce qu'on peut trouver dans une poubelle. Affolant, incroyable. Regardez ce reportage signé Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. Oui, c'est moi le chauffeur, c'est moi le chef d'équipe. Sur moi, bon, ça fait 6 ans. 6 ans que je suis là. Qu'on m'a embauché chauffeur poids lourd à la CD 2976 de Mayotte. Bon, du coup, aujourd'hui, là, on est à Pamandzi. Mais avec la semaine, on a 3 jours à l'abattoir, 3 jours à Pamandzi. Voilà, lui, c'est Omar. Notre collègue là, le garçon là, elle là c'est notre maman, elle s'appelle Mawa. C'est elle qui a fait beaucoup d'années dans cette boîte là. Parce que je l'avais trouvé là et il y a aussi des gens qui nous avaient trouvé là. Bon, elle là, des fois, elle sait déjà beaucoup le secret de là, de ce métier. Bon, chaque fois quand elle parle, nous on l'écoute. On ne le décève pas pour qu'il ait une dame, on peut le dire non. Au travail, il n'y a pas de dame ou il n'y a pas de monsieur. On est tous ensemble. Plus que c'est elle, notre maman qui est là, bon, on le respecte très bien. Qui a fait, on s'est obligé de se ramasser parce que quand tu joues à la biche, tu as obligé de se ramasser ici. Dans notre travail là, bon, des fois il est difficile comme le jour de mercredi et le jour de lundi et mardi, il est vraiment très difficile. Parce que le samedi et le dimanche, la population remplit les poubelles. Et il y a des fois des poubelles qui ne sont pas en norme, il y a des poubelles qui n'ont pas de roues. Mais nous, on n'a pas le choix. En tout cas, on a bien souligné dans notre patron. Mais plus que c'est notre travail, on n'a pas le choix. On fait ce que nous, on peut faire, mais... Je voulais que vous savez que notre travail est vraiment très difficile pour nous. Ça c'est pour monter, ça c'est pour descendre, ça c'est pour marcher les machines. Ça c'est pour arrêter, ça c'est pour tourner le moteur à fond. Et le bouton rouge, s'il y a un danger immédiat, on l'appuie là. Pour les enfants, pour eux, pour venir mettre à la poubelle, il faut qu'ils savent bien mettre dans la poubelle. Parce que des fois, les mamans, les citoyens, ils donnent à leurs enfants des poubelles pour de les mettre dans les bagues. Mais les enfants, ils n'arrivent pas à trouver le bague, ils veulent le laisser par terre. Et du coup, l'endemain, c'est nous qui viennent ramasser les ordures, les chiens viennent tabasser les ordures par terre. C'est ça, le travail est vraiment très dur, très dur. Tu vois, déjà les poubelles, il y a des poubelles qui sont
qui sont pas bien, ils ont pas de roues. Et en plus, chez nous ici, nous sommes pas très courageux du tout, mais on est fiers de notre travail, quoi. On fait ce qu'on peut faire. Bon, les citoyens, ils savent que nous, on fait ce qu'on peut faire. Bonjour. C'est malade. Ça, là, Patrick. Morzini. Car si je vois, il est trop attends. Vous le retirez comme ça, vérifiez. Le referral, il faut que tu trouves une solution pour changer ce bac. Parce que c'est difficile en fait. C'est difficile. Parfois on met de taille dedans et nous retirer aussi, ça, c'est un peu fatigant en fait. En fait, le travail, ça ne soit pas terminé quand on a pris que les horaires. Du coup, ben, on se parle entre nous. Bon, aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est mardi, le travail est vraiment très, très difficile. On n'a pas, on peut pas se dire qu'il faut qu'on arrête le travail à 2 heures. Parce que quand on rentre à 6 heures du matin jusqu'à 2 heures, là déjà on a déjà fait 8 heures de travail. Il faut que là on sorte du travail, mais le travail n'est pas terminé, il faut qu'on le termine. Batterie, ventilateur, parfois même des morceaux de carcasse dans les poubelles ou à côté. Alors, il n'a pas obligation de ramasser tout ça, mais il le fait. Il le fait parce qu'il a conscience qu'il a la propreté de Mayotte entre ses mains et au quotidien. Même si, il faut le reconnaître, parfois, le découragement l'emporte sur sa mission. Ok, c'est avancé. Là, on avance, là. Alors, ça va mal au lien, tout ça, là-dedans. Déjà, vous êtes calme là-haut, ça. Comme ça, c'est inadmissible, ma fille. Nous, on savait que si le camion est déjà plein, le truc là, ça se bascule jusqu'à ici. Et quand ça se bascule jusqu'à ici, là, ça me dit que le camion est déjà plein. Ou la machine derrière là-bas, s'il n'arrive pas à prendre, là, ça nous dit que le camion est déjà plein. Et ça fait le tonnage de ce camion fait 8 tonnes pour les ordures. On prend 4 poubelles là, ça va. Après on va rentrer à la Légion, à la gendarmerie, pardon. Bon, comme quoi les feuilles de coco là, bon là il faut que je le contrôle là avec mon camion. Parce qu'il y a beaucoup de feuilles qui sont descendues. Imagine ma machine à vous aujourd'hui, à vos étonnants. Vous êtes attaché à la machine. Et voilà. Après, il faut avoir un problème de sol. Il y a fait une petite tape à vous. Après, obligé de ringer pour rouser. Est-ce
Il y a des zones qui ont dit que attention, c'est vraiment très 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 dangereux. Il faut faire tout le nécessaire possible. Même si vous n'arrivez pas à terminer dans notre village, mais il faut que tu rentres à la caserne de la gendarmerie ou à la DLM pour récupérer leurs poubelles. Parce que eux, ils payent. Et eux là-bas, c'est. Je ne sais pas comment ça marche, mais il est obligatoire quoi. Comme aujourd'hui on est à Pamanzi, nous sommes à Pamanzi, bon. Si on a fait jusqu'à l'endroit où on est déjà fatigué, on n'arrive pas à terminer le travail. Là, c'est l'effet de pour rentrer à la décharge, pour aller jeter les ordures à la décharge. Là, on rentre au dépôt tranquille. C'est bon, ça va être déjà terminé là. Voilà. La semaine prochaine, frissons garantis, car on va parler de serpents. Et oui, il y en a à Mayotte, mais ils sont en danger. Alors, les serpents ont une oreille, mais n'entendent pas non plus très fort. Ils sentent par contre les vibrations, donc il faut éviter de trop taper du pied. D'ailleurs, par contre, si vous voulez faire fuir un serpent, là, vous pouvez taper du pied, parce qu'au moins, là, vous êtes sûr qu'il va s'enfuir. Donc nous, on va pas taper du pied, parce qu'on va essayer d'en profiter pour faire 2-3 photos, comme on n'a pas l'occasion de l'observer souvent. Serpent en danger, ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbains.